Hey, ça va ou quoi? C'est le GarID pour de retour. Pourquoi? Pour une nouvelle vidéo. Comment je suis productif? C'est pas grâce à moi. Ah bon? Ah non, parce que en fait j'ai un monteur. On s'en fout. Alors là, t'as sûrement dû constater le casque. Tu dis waouh, il a un casque JBL. La YouTube Money a sûrement déjà fonctionné. En fait, je t'explique. J'étais dans la réserve de Carrefour. Pur hasard, hein, je me baladais comme ça. Tapis dans l'ombre en mode oh là là, waouh, un casque. J'ai fait vas-y, je le prends, 25 balles au lieu de 60 balles, franchement, affaire du siècle. Mais ça me bat les couilles. Bon, on va peut-être parler du sujet principal de la vidéo maintenant. Ok. Ce matin, j'étais tranquillement installé dans mon canapé, j'allumais la télé. Et là, je vois quoi? Foot de rue. Chaque partie porte son lot de frissons, sans partage. Foot de rue. Mais j'ai pas eu celui-là, hein. Non, j'ai eu le foot de rue le plus éclaté du globe. C'est nul, c'est zéro. Ils auraient jamais dû le faire. Et en fait, moi maintenant, je voulais faire une sorte de mémorial, tu vois, pour me rappeler un peu de ce que l'on avait auparavant. On en avait des bons dessins animés, on en avait des excellents, des trucs. T'en parles, c'est devenu des classiques. Même Dora, c'était stylé par rapport aux dessins animés de maintenant. Mais oui, c'est clair. Les émissions qu'on a plus, c'est par exemple... C'est pas du tout le générique que j'ai connu, ça. C'est parti en couille entre temps. Vous savez quoi? Actuellement, on est en hiver. Ça veut dire que... Il fait froid, alors on est habillé. On va faire un sujet qui nous intéresse. Un sujet qui a un rapport avec tout ça. Alors comment un fruit se forme-t-il? C'est une blague? Au départ, la fleur du pêcher héberge à la fois les organes mâles, les étamines, qui renferment le pollen, et l'organe femelle, le pistil, qui débouche sur l'ovaire, qui contient... les ovules. Ça, c'est hyper méga intéressant. C'est, t'apprenais des choses, c'est, il était 16h, tu quittais l'école, t'allais devant quoi? C'est pas sorcier. À l'époque, c'était mieux. J'ai regardé toutes les saisons. Pour moi, ça, c'était beaucoup plus intéressant qu'une autre série. Mais maintenant, les gens, ils ont quoi, les jeunes d'aujourd'hui? Genre, ma petite sœur, malheureusement, ils rentrent de l'école, ils ont quoi? Tu es un minable, je te le dis, tu es minable. Tu es, mais tu es une... Par un genou de lui. Ah, mais ça sert plus à rien, là. Non, mais ça sert plus à rien, t'as raison. C'est un gros manque de respect. Ok, sir, I'm gonna do it alone. Voilà, c'est nul à chier, on est d'accord. Mais non, c'est marrant. Ça, c'est ce que les gens, ils ont maintenant en rentrant de l'école. Ils ont plus les dessins animés, on dirait, hein. Mais bon, il y a plein d'autres émissions que moi, j'ai kiffé aussi. Tout le monde va lâcher un like après ça. C'est tout à fait normal. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. Et Al, sois raisonnable. Arrête les frais et téléphone enfin au réparateur. Je refuse de gaspiller de l'argent alors que je suis tout à fait capable. Ça peut-être que c'était moins intéressant que C'est pas sorcier, mais c'était quand même beaucoup plus intelligent que Les Anges, Les Marseillais, Les Ch'tis ou je ne sais quoi. Mais il y a aussi des autres émissions, des émissions TV cette fois-ci. C'était un peu beauf. Cette fois-ci c'est la couronne. La couronne pour la blague. Par rapport à C'est pas sorcier, bah ça a un peu mal vieilli. Et là, je vois qu'on nous propose un truc qui a l'air un peu plus intéressant. Sportivement, je parle. Faut faire quoi ici? Ah bah tiens, on parlait de Jamy il y a 30 secondes. Il est partout ce mec. Jamy, t'es un vrai gourmand. T'es pas drôle. D'autres comme Boudère sont tout simplement à côté de la plaque. Excellent, excellent. Excellent. Y avait pas que C'est pas sorcier dans le système d'éducation. Moi j'aimais bien ces genre les jeux comme le maillon faible. Au cinéma, quel est le lien de parenté des demoiselles de Rochefort? Elles sont sœurs. Je n'aurais même pas atteint les 50 euros dans ce genre d'émission. C'est mort. T'es même pas con, t'es bête. On avait aussi des spectacles, de l'humour, tu vois, des trucs qui nous font rire. Il n'y a pas que l'humour, il y a eu de la télé-réalité aussi. Noni. Je critique certes les délires un peu nuls, du style les Marseillais, les trucs comme ça, mais c'était peut-être plus intéressant et ça apprenait à connaître des gens. Un seul gagnant, c'est vous qui décidez. Ça nous a appris à connaître une personne en particulier, une personne pour qui
une association a été créée. J'ai tout le temps les larmes aux yeux quand j'entends ça, que je vois ça, que... Je sais pas, je suis ému de la personne. Lui, c'est un homme. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. C'est incroyable mais vrai. Y a pas que ça qui a compté réellement. Il y a des trucs que je regarde encore, des trucs que je kiffe. Par exemple, les cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Bon, n'hésite pas à t'abonner, partager, commentez. Gros bisous, c'était votre gars ID. Moi je vous dis à une prochaine, à la semaine prochaine. Lâchez un like.